Ouais, mais au montage, tu vas voir. Au montage, tu vas voir le feu, puis tu vas voir ce que j'ai dit tantôt. Tu sais, tu vas voir, là, tu coupes. Parking d'Orval, c'est ça. À gauche, ouais, hein? Mais à gauche. Ouais, mais c'est ça la pointe. Que ça a changé. C'est un manqué. Puis c'est à toutes les semaines, il va changer le temps qu'il n'aura pas fini. Ça t'emmène en même place, c'est juste que tu t'en vas dans les stationnements. Ah non, ok, il est là. Oh yes! C'est qu'on s'en va donc encore? Un mega! Qu'est-ce qui se passe là-bas? De la neige! De la neige! C'est là où t'es-tu? Il y a de la neige! Il y a de la neige, bon ben. De la neige. On s'en va à Mingan, ça a l'air. Salut Facebook! Salut la gang sur Facebook! Là, là, on vient d'arriver à cette île. On a une voiture de luxe. Tout de même. Ben, c'est cool. Hyundai. Estimable. Ouais, fait que voilà, on est arrivé. Là, on s'en va. On s'en va faire une surprise à Magic. Parce qu'il sait pas qu'on est à cette île. Et après ça, on va manger du FDI. Yeah! Yeah, Sola! Hey yo Magic! Salut Marc! Ça va mon vieux? C'est une belle surprise hein? Tout le temps quand on vous voit, c'est des belles surprises. Tout le temps quand on vous voit. Tu nous prépares de la soupe là ou quoi? À moins 40, pas choix, moins 40 dehors. Ben ouais. Oh. On a quoi se réchauffer. Fait qu'on est ici pour une coupe d'heure. Vous en allez où à Mingan, ce là? Ouais, on va aller faire plaisir aux jeunes de Mingan. Nice, ouais, mais ça c'est sûr, certain. Tout d'abord là-bas, j'ai fait une coupe de fois. Yeah. Hey yo, je sais que ça fait longtemps que vous attendez mon album, là ça revient, je travaille là-dessus. Une nouvelle tune qui va arriver, puis c'est pas prêt. Yeah. Tu le files-tu, Sola? Tu le files, le show? Mais ouais, man, ça va bien aller, Furious. Bon. Puis Olivier, ça se passe comment? Là, ça se passe bien, le gear, c'est drette. Tout a de l'air à fonctionner. J'ai mal de en masse, c'est le fun. On va pouvoir travailler comme il faut. Yeah! Fais changement de Pacquachupi? Jour et la nuit. Le gouvernement a décidé de faire le Nord pour des diamants, de l'argent et de l'or. Il prétend vivre dans un pays libre, mais il ignore que la nature est un parfait équilibre. Trop de consommation pour des biens matériels. On est en train de perdre le Nord et les enjeux sont réels. Vous profitez de la terre pour vos propres envies, sans même réaliser qu'elle vous met en vie. Vous voulez profiter pour une seule génération, mais ces terres au risque d'une population. Vous voulez déraciner tout le Nord québécois, mais un jour vous comprendrez que l'argent ne se mange pas. La soupe même. Ça a très bien été le show, c'était incroyable, hein? C'était vraiment bon. Ça a fait du bien. We'll be right back.
Renaud, Solard, Olivier, toute la gang, toute l'équipe pour plus de jouer. Pas bien. Eh oui, la journée est finie. Ouais, raconte-moi ça. Ah, méchante journée, c'est incroyable. Je suis arrivé hier de ici au gîte, puis là, on est tellement bien accueillis. On est chez Sylvain qui rentre ici. Là. Salut Sylvain. Salut. Sylvain qui nous accueille dans son garage après une belle journée de travail. Dans le garage. Là, en train de prendre une bière sur le bord du feu. On peut-tu dire que tout qui est bien, qui finit bien? Tout est bien, qui finit bien. Yeah. Grosse journée, hein? Hein? C'est cool. Ouais. C'est une grosse journée, ça, là? Grosse journée. C'était une grosse journée. Juste vous dire, en fait, ce que je pense de ce projet-là. Notre gouvernement a décidé de perdre le bord pour des diamants de l'argent et de l'or. Ils prétendent vivre dans un pays libre. Mais il ignore que la nature est parfaite équilibre. Trop de consommation pour des biens matériels, on est en train de perdre le nord des enjeux matériels. Vous profitez de la terre pour vos propres envies, sans même réaliser qu'elle vous met en vie. Vous voulez profiter pour une seule génération, mais cette terre est au risque de toute population. Vous voulez déraciner tout le nord québécois. Et un jour, vous comprendrez que l'argent ne se mange pas. Mais t'inquiète, j'ai compris, c'est une question de business. Vous gouvernez un territoire rempli de richesses. Et surtout pas me faire croire que cette terre vous appartient. C'est plutôt grâce à elle que vous respirez chaque matin. Je représente mon peuple à travers l'art. Et je vous annonce de leur part que le peuple en a...